What's up motherfucker, aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Alors moi, je suis un mec qui regarde jamais la télé. À l'ancienne, oui, quand tu sais, il y avait la TNT, il y avait de la 1 à la 6, après il y avait la TNT, tout ça, etc. Là, ok, mais après, dès qu'on a commencé à voir les gros chaînes, Canal+, tout ça, etc., j'ai vraiment arrêté de regarder. Et du coup, je me dis, ça se trouve, j'ai loupé des pépites, tu vois. Et du coup, je me dis, pourquoi pas se perdre un peu sur internet, regarder certaines vidéos et voir si, voilà, j'ai loupé des pépites, tout simplement. Donc, il y avait une émission à l'ancienne qui s'appelait Le Maillon Faible, ok. Donc, on va grave commencer par ça. Je sens qu'il y a des choses que j'ai vraiment loupé parce que j'ai pas vraiment regardé cette émission à fond. Après, voilà, il y a plein d'émissions aussi que je vais voir, tu vois, des émissions où il y a des clashs, des embrouilles, des bagarres aussi. Nous, on aime bien la bagarre, tu vois. Donc on va aller voir ça et ça va très très bien se passer. Go se perdre sur internet au fait. Avant de commencer la vidéo les gars, n'hésitez pas à lâcher le petit like, ça fait grave plaisir, et à vous abonner. La majorité des gens en fait qui regardent mes vidéos ne sont pas abonnés à la chaîne. Qu'est-ce que vous attendez chacal? Qu'est-ce que t'attends chacal? Abonne-toi. Livre pour enfants, quel gentil éléphant est le roi de Célesteville. Dumbo. Babar. À l'examen du baccalauréat, à partir de quelle moyenne générale sur 20 peut-on accéder au rattrapage? 11. Ah non, c'est 8. Vincent, quel gros... Mais à quel moment c'est 11 en fait? À 11 tu vas au rattrapage? Mais t'es teubé ou quoi chacal? Dans quel programme télé la marionnette Piggy la cochonne était amoureuse de Kermit la grenouille? Comment s'appelle cette série avec Kermit la Friends. Non, pas Friends, c'est le Muppet Show. Pour changer une roue, quel appareil actionne-t-on avec un levier pour soulever la voiture? C'est un souleveur. C'est un cric. Charlotte, en 1990... Un souleveur. Mais attends, ils font exprès, c'est pas possible. Attends, la vidéo s'appelle Les pires réponses. Mais le problème, en fait, c'est que c'est une seule vidéo. Donc, c'est vraiment du one shot. C'est un concours, genre. 13, quel diva était au top du hit parade avec la chanson I Will Always Love You? Whitney Houston. Whitney Houston, Bruno. Oh là là. Aussi... Chaque semaine en moyenne, un lycéen français reçoit comme argent de poche 20 ou 50 euros. 50 euros. 20 euros. Tout suite, il a tout faux, putain de merde. Comment il fait pour ne pas rigoler? En fait, la manière en fait qu'il prend lorsqu'il répond, c'est vraiment cash genre. C'est non, c'est pas ça. Question suivante. Quelle est nanana? Non, c'est pas ça. Question suivante. Nanana. C'est, tu vois, c'est grave drôle ça. Ça, c'est vraiment grave drôle de faire ça. C'est inquiétant quand même, hein. Elle me fait peur cette vidéo là. Parce que moi je me dis, imagine un jour, genre j'aurais fait cette émission. J'aurais pu tomber sur des questions un peu, tu vois, où tu te fais carotte, tu vois. Mais là c'est trop frère. Oh c'est trop. Attends, spécial bimbo. Si des titres d'un film avec un nom d'insecte ou dont les insectes sont les héros. Le roi lion. À quel moment le roi lion c'est un insecte? Ceci est un lion. Et ceci est un insecte. Où est le rapport? Vitesse en kilomètre heure peut atteindre un orque à la nage. Rizen. 260, je crois. Je sais pas ce que c'est comme animal. J'ai jamais vu ça. Vous avez pas vu, oui. Depuis quand un orque, ça avance à 230 km/h, chacal? Avec des petites ailes. Avec des pattes. Quelle est la 25e lettre de l'alphabet? Le Z. C'est Y. Sur quel autre continent que l'Afrique peut-on voir des éléphants à l'état sauvage? L'Amérique? Non, en Asie. Bah oui, en Asie, oui. Selon la légende, Robin des Bois vivait dans la forêt de Fontainebleau. Vrai ou faux? Vrai. Faux. En quelle année? À quel moment Robin des Bois vit? La forêt de Fontainebleau. Oui, chacal. Récompenser le théâtre, c'est les Oscars. Putain, quel crack celle-là. Vas-y, on va essayer de voir d'autres choses que des réponses stupides. Nous, on veut vraiment du gros malaise. Le plus gros malaise à la télé française. Vas-y, c'est parti. Donc là, les gars, j'ai trouvé une vidéo, c'est le plus gros malaise à la télé française. Apparemment, c'est le plus gros malaise. Attends, j'ai rien, puis j'ai un gros paquet aujourd'hui. Sur l'exercice du pouvoir. Comme vous avez fait sur le Toblerone par exemple. Sur l'exercice. C'est pas nous le Toblerone. Bah oui, mais c'était quelqu'un chez vous. Sur l'exercice. Non, c'était un invité. Journaliste. Mais pas journaliste. Peu importe, allons-y.
Oh ta gueule. Et on aime bien. Oh j'aime pas les gens comme ça, les gens qui coupent la parole comme ça. Mais ta mère wesh. Attends, il a loupé sa blague là. Il a loupé sa blague. Ah oui, mais c'était quelqu'un chez vous. Non, c'était un invité. Journaliste. Mais pas peu importe, allons-y. Et on aime bien tous les Tom Holland, non? Ah, ce moment de solitude. Ah, je suis choqué, regardez, il a fait sa blague. Bon, on aime tous les Tom Holland, après il a regardé partout. Il a vu qu'il n'y avait aucune réaction. Putain, miskin. Je voudrais qu'on écoute quelques notes de musique de Booba, Booba, mon petit enfant. C'est du sport de regarder cette vidéo. Franchement, je sais pas comment vous vous sentez en regardant cette vidéo, mais moi je suis très gêné. Un jour, le téléphone a sonné, réquisition ça s'appelle, puisqu'on est requis par le procureur pour aller chercher, pour aller chercher le corps. Et puis l'adresse, c'était chez lui. Il s'était pas pointé au bout, il s'était pendu. Voilà. C'est vrai. Oh les bâtards, ils ont mis une musique, ils ont mis un jingle. Et tu t'es retrouvé. C'est pas possible. Oh les bâtards. Oh le mec il raconte qu'un mec s'est pendu, ils ont mis une musique. Oh allez. Marine Le Pen qui de son côté promet une France apaisée, est-ce possible? Mon invité ce soir, Louis Alliot, le vice-président du Front National. Et merde, il fallait annoncer l'actualité, va te faire foutre. Oh là là. J'avais vu celle-là. Je l'avais vu. Mon amour, est-ce que tu veux m'épouser? Il demande en mariage. Non. Non. Il fait bien. Oh le malaise. En fait je pense qu'elle voulait dire non. Mais comme elle s'est dit, ah le bâtard il m'a eu, il est à la télé, tout ça, etc. Je peux pas lui dire non, tu vois. C'est malaisant, je suis pas bien. Bon voilà les gars, c'est la fin de la vidéo. Ok, dites-moi les gens, ok, vous voulez que je regarde quelle émission de télé pour voir si pour vous c'est quoi la meilleure émission de télé, sachant qu'il y a la télé-réalité, il y a les émissions TPMP, tout ça, etc. Donc dites-moi tout en commentaire, dites-moi ce que vous regardez, ok. N'oubliez pas le petit like, ça fait grave plaisir. Abonnez-vous si c'est pas déjà fait. Et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Peace les gens, je vous aime. Comme Giroud, j'ai raté les cages. Comme Mathieu Valbuena, t'es pas de taille. T'es en retard comme le RERT. Ta copine grise comme Cobaladé. Ok, chic.